Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez à travers Zoé Channel, merci pour votre fidélité via les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube du Riverain Prophète Ferdinand Ekanet. Abonnez-vous surtout pour avoir des notifications chaque fois que des nouvelles vidéos seront publiées. Alors, nous vous disons encore une fois merci pour votre fidélité et bienvenue à cette émission. C'est Zoom. Nous allons parler avec l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekanet, du culte familial de ce mois d'août, juste avant de détailler tout ce qui concerne ce culte familial qui se tiendra le 28 août prochain à Yaoundé, à partir de 7h30 au Palais des Congrès à Douala, dès 16h. Je vais introduire l'homme de Dieu. Nous allons lui dire bonjour. Bonjour, révérend prophète Ferdinand Ekanet. Bonjour Daniel et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview. Merci aussi à vous d'avoir pris la peine de le faire. Voilà, nous allons donc parler du culte familial et nous revenons pour détailler de fond en comble ce qui sera fait lors de ce grand événement du dimanche 28 août, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, juste derrière cette courte pause. Nous sommes de retour dans ce studio et nous sommes avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Ne l'oubliez pas, le culte familial de ce mois d'août, c'est ce dimanche 28 août. À Yaoundé, ce sera dès 7h30 au Palais des Congrès et à Douala. À partir de 16h, c'est le mois de la gloire, sous le thème de la honte à la gloire. Justement, l'homme de Dieu nous parlera de tout ce qui va aussi autour de ce rendez-vous de consécration familiale qui aboutira également à la consécration des élèves. On parlera de tout ça avec lui. Déjà, pour entrer dans le sujet, c'est quoi le culte familial et comment se préparer pour ce type d'événement? Voilà, il faut dire déjà que dans l'Ancien Testament, la Bible explique que les familles, une fois par an, montaient à Silo pour adorer Dieu. Et vous verrez, ce n'était pas seulement cette fois-là, mais il y avait plusieurs rendez-vous qui exigeaient que tout Israël monte dans la maison de l'Éternel pour le célébrer. Donc, c'est un culte où nous renouvelons notre alliance avec Dieu en tant que famille et où nous disons à Dieu que nous voulons le servir lui seul et en dehors de lui, plus d'autres dieux dans nos vies. Nous nous séparons de toutes les divinités diaboliques que nous avons eu à servir, ou bien que nos parents ont eu à nous donner comme héritage, et puis nous voulons le dire tout simplement, et comme le dit la Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, écoute Israël, Yahweh, non Elohim, Yahweh est un. Donc nous disons simplement à Dieu qu'il est notre seul Dieu, il est le un Elohim, le seul Elohim que nous aimons et que nous adorons. C'est un culte familial. Quelles sont les prédispositions que chaque famille doit prendre pour cela, ou alors quelle est la disposition d'une famille qui va être consacrée pendant cet événement? Déjà, la première chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est un moment où nous mettons nos requêtes de prière devant Dieu. Donc, il n'y a pas de barrière interdénominationnelle. Donc, ce n'est pas seulement pour ceux de notre congrégation, mais tout le monde peut venir, musulmans, catholiques, protestants, presbytériens, je ne sais plus quoi. Tout le monde peut venir, quelle que soit votre religion, vous croyez en Dieu. C'est un temps d'abord de dépôt de nos requêtes de prière, nos sujets de prière dans la maison de Dieu. C'est un moment de prière aussi pour nos familles, pour les problèmes que nous avons, accompagnés du prophète que je suis. Et c'est aussi un moment d'action de grâce. Disons merci à Dieu pour la vie, l'être, le mouvement qu'il nous a donné, et nous et nos familles. Et c'est aussi un moment de présentation de nos offrandes à Dieu, où nous donnons des offrandes d'action de grâce manifestées par l'offrande familiale. L'offrande familiale est très importante parce que c'est pour dire merci à Dieu de nous avoir gardés tout au long de ce mois. C'est une offrande qu'on met de côté pendant tout un mois. On la met petit à petit et le dernier dimanche du mois, on vient avec la famille toute entière et puis voilà, on la présente à Dieu. Parce que l'offrande est fondamentale. Il n'y a pas d'autel sans offrande. Et puis c'est aussi une occasion pour que nos familles soient consacrées à Dieu. C'est-à-dire que moi, en tant que prophète du Dieu vivant, je consacre les familles à l'Éternel par l'onction de l'huile sainte, l'huile de faveur. De ce même moment de guérison des familles, de prière contre les autels familiaux, etc. De ce moment de fête, c'est aussi le moment où nous donnons l'eau ointe à tous les membres des familles qui viennent afin de prier avec cette eau pour la délivrance et la restauration de nos familles. Et ce culte familial du mois d'août sera très exceptionnel parce qu'il sera juste à la veille de la rentrée scolaire. Et en dehors de l'eau ointe, il faut dire que l'huile de faveur est aussi... L'huile de faveur, oui. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une occasion d'onction pour les familles. Donc l'huile de faveur, déjà nos cultes, chaque famille doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. C'est une tradition chez nous. Si vous voyez quelqu'un à Réma qui n'a pas l'huile de faveur, ça veut dire que c'est un nouveau converti. Donc c'est une occasion où chaque famille doit avoir sa bouteille d'huile de faveur pour recevoir l'onction
de Dieu. Et il faut que je répète encore cela à toutes les familles. Bien-aimés, l'huile de faveur est très importante pour nos vies, pour nos familles, pour la santé, la sécurité, pour les études de nos enfants. Prions avec les enfants le matin avant qu'ils n'aillent à l'école. Oignons l'aide d'huile au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un est malade, il y a des cas difficiles dans tes affaires, au marché, pendant que tu voyages, utilise l'huile de faveur et prie au nom souverain de Jésus-Christ. Et cette huile d'onction manifestera la gloire de Christ dans ta vie. Donc l'huile de faveur devrait être au centre de nos familles. Parlant du culte familial, vous avez évoqué le fait que ce soit un événement où on rencontre beaucoup de guérisons. Oui. Il y a les manifestations des œuvres du Saint-Esprit. Mmh. Et donc justement, on remarque des miracles redoutables dans votre ministère de plus en plus. La courbe des témoignages par rapport à l'huile de faveur, le oint ou les prières va croissante. Mmh. Et on a comme ça le cas de cette femme qui est venue à l'église avec le cordon ombilical de l'enfant attaché sur le cou, l'enfant qu'elle portait dans le ventre. Mmh. Vous avez prié pour cette femme, vous lui avez annoncé que dans 3 jours, elle serait restaurée. En lui donnant le nom du docteur qui devait lui faire l'échographie. La dame, le nom de la dame, oui. Le nom de la dame. Je me souviens, c'est une Asana. Bah, Dieu m'a montré qu'à la guérite, il y avait une infirmière qu'on appelle Asana qui, voilà, elle connaissait la dame, elle connaissait la dite Asana. Donc, moi, je pense que la Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Et je crois que le ministère, voilà pourquoi quand les malades viennent, nous leur demandons d'avoir les bouteilles d'huile de faveur. Parce que l'huile est au centre de la guérison dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a envoyé les apôtres, il les a envoyés 2 à 2 et il leur a donné de l'huile, demandant d'oindre les malades au nom du Seigneur. Et les malades étaient guéris. Et la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et il dit la prière fervente du juste guérira le malade et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Donc l'association de l'huile et la prière est redoutable. C'est pour ça que quand les gens viennent, ils sont malades, nous leur disons toujours que chacun ait sa bouteille d'huile de faveur. De cette femme, elle est venue, elle avait la bouteille d'huile de faveur. Et puis quand il y a la foi, sincèrement, c'est très facile. C'est pas moi qui guéris en fait, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission, un pont entre le malade et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a prié et je me souviens que j'ai dit à la femme de partir faire l'examen après 7 jours. Et je me suis rendu compte que 7 jours, c'était un peu trop long. Parce qu'elle était déjà à terme. Et je lui ai dit 3 jours, donc mercredi. Elle est repartie. Je lui avais dit qu'en faisant l'examen, elle trouvera que le cordon ombilical sera détaché par l'ange de l'Éternel. Et le 3e jour, c'est ce qui s'est passé. Le cordon ombilical était détaché. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu parce que dimanche passé, j'étais ici. Et papa priait pour moi. J'ai la grossesse de 9 mois. Et le cordon est autour du cou de l'enfant. Le cordon est autour de l'enfant. Le cordon autour du cou de l'enfant. Le cordon autour du cou de l'enfant. Je pose une question à l'église. Est-ce qu'on peut prier et le cordon quitte le cou de l'enfant? Est-ce que ce miracle est possible? Est-ce que c'est possible? Qui croit en ça? Tendons la main vers elle. Maman, nous allons prier. 7 jours, on prend 7 jours, 3 jours. We take 3 or 7 days. 3 jours. 3 days. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Wednesday, vous partez voir le même docteur. Dis-lui de vous faire refaire le même examen. De faire la même échographie. Est-ce que vous comprenez? Retournez là-bas. D'accord. Vous allez partir, vous allez voir Asana et vous allez lui dire de vous faire l'échographie. Elle va écrire, elle va vous envoyer. Elle vous envoyer, faire l'échographie. Partez faire l'échographie. D'accord. Vous retournez, Asana tout, elle va vous faire faire. Et c'est bon. Merci Daddy. L'enfant, si c'est moi-même qui le consacre à Dieu. Merci, amen. Je suis allé faire l'échographie. On a trouvé que le cordon n'était plus au cou de l'enfant. Je rends grâce à Dieu. Et j'aimerais aussi me connecter de cette grâce. Quelqu'un n'acclame pas, quelqu'un vraiment, l'église s'y m'étonne. On a prié, c'était vendredi. C'était vendredi. Dimanche passé. Et je vous ai dit quoi dimanche passé? Vous m'avez dit d'aller faire l'échographie. Donc vous avez prié que je dois refaire l'échographie mercredi. Je suis allé faire l'échographie mercredi. Et l'échographie a montré quoi? L'échographie a montré qu'il n'y a plus le cordon autour du cou de bébé. Et vous leur avez dit quoi là-bas? And what did you tell them there? Les gens ne croient pas en la prière. People, they don't believe in prayer. Sincèrement. Sincerely. L'enfant
On a, voici ça. Utérus gravide, nombre fœtus 1, validateur fœtus, RBDC, biométrie BIP, présentation céphalique, morphologie fœtale normale, placenta corporelle postérieure fondique, bien insérée, écostructure normale, grade 3 de maturité, liquide amniotique, transsonore de quantité normale, col long fermé mesurant environ 30 mm, cordon ombilical sans particularité ce jour. Cordon ombilical sans particularité ce jour. Ça vous avez vu? Conclusion. Cordon ombilical sans particularité ce jour. D'accord, tiens ça. Ok. Fine. Voici le premier examen qu'elle a fait. Here was the first exam she did. C'est ça, ça s'est passé pour ceux qui veulent vérifier. Vous partez à... Hôpital privé islamique. Oui. C'est où je l'ai envoyé la semaine passée, c'est ça, n'est-ce pas? Bien, ici, on dit, l'ensemble des mesures est compatible avec un âge gestationnel de 36 SA et tout ça. Le placenta est d'insertion corporeo-fondique postérieure de grade 2. Le liquide amniotique est transsonore et de quantité suffisante. La présentation est céphalique. Pas d'anomalie majeure à la morphologie fœtale, présence d'une simple circulaire du cordon autour du cou fœtal lors de l'examen. Le col est long et 32 mm et fermé. Conclusion, grossesse intra-utérine, monofœtale, évolutive, présentation céphalique, présence d'une simple circulaire du cordon autour du cou fœtal lors de l'examen. Qu'elle est venue avec les résultats sur lesquels était écrit justement la conclusion du rapport du médecin. Bien sûr, elle a apporté d'abord le premier rapport qui disait que le cordon ombilical était autour de l'enfant et le deuxième rapport où le cordon était détaché. C'est un miracle en fait. C'est ça qu'on appelle les miracles et nous bénissons Dieu pour cela. Ma joie, c'est la libération du peuple de Dieu, c'est la santé qui est remise aux malades et puis c'est le bonheur qui est remis aux malheureux. D'autres miracles que l'on remarque de plus en plus à la CBC Rema Ministry Mission, ce sont ceux des femmes qui viennent avec des grossesses compliquées. Mm-hmm. Et à la fin, il y a des bébés assis sur le ventre qui se retournent par la parole de l'Éternel à travers votre bouche. Nous avons le cas justement de cette femme qui est venue dimanche. L'enfant était assis dans le ventre, mm-hmm. avec des jumeaux. Mm-hmm. Et vous lui avez adressé la parole de l'Éternel en priant sur elle. Oui. Et devant les gens, en direct, elle s'est mise à marcher. Mm-hmm. Elle allait faire aussi des examens. Oui. Mm-hmm. Moi, je pense que ce n'est pas la première. Ça dit qu'on ne peut même pas cataloguer le nombre de femmes qui sont venues avec les enfants assis dans leur ventre et qui se sont retournées, sont allées accoucher sans opération. Bébé, retourne-toi. Now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Retourne-toi. Turn back. Retourne-toi. Turn back. Retourne-toi. Turn back. Regardez l'enfant tourner dans son ventre maintenant. Retourne-toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Donc c'est pour dire que nous appelons ça les œuvres du Saint-Esprit. Vous savez que les actes des apôtres, au début on appelait ça les œuvres du Saint-Esprit. C'est après qu'on a changé, qu'on a mis les actes des apôtres. Et donc là ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Lorsque Dieu appelle un homme, il envoie, il l'outille aussi pour apporter le repos à son peuple. Donc elle est venue, c'était les jumeaux. Elle était assise, on a prié et le Seigneur a retourné l'enfant devant tout le monde et je rends gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'autres femmes comme ça qui sont venues, les enfants étaient retournés dans le ventre, elles sont parties accoucher, elles sont revenues. D'autres dans la reconnaissance ont même donné mon nom à leurs enfants. Donc je ne demande pas qu'on donne mon nom, c'est juste un témoignage qu'on est en train de donner. Donc on peut dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement selon Hébreux 13, verset 8. Donc il faut que les gens comprennent cela. Quand nous nous rassemblons, viens avec la foi. Quel que soit ton problème, Dieu le fera. Ne limite pas Dieu. Ne dis pas non, je suis dépassé. Est-ce que je peux encore, quelqu'un peut faire quelque chose pour moi? Non, même lorsque tu es débordé, lorsque tu penses que c'est impossible, crois seulement, c'est encore possible. Jésus-Christ au milieu de nous. On ne fait pas le ministère par imitation. Le Seigneur m'a appelé.
Et quand tu appelles quelqu'un, il demande par des puissances, par sa puissance et par la manifestation de sa grâce. Voilà, pour ceux qui, en lisant la Bible, ont toujours pris l'histoire de la femme qui saignait abondamment et qui a été guérie pour un mythe. Nous avons vécu cela à Rema Ministry Mission en direct. Nous avons cette femme qui saignait abondamment et utilisait près de 13 poches de sang. Elle est venue à l'église. Elle a dit elle-même, elle venait le vendredi, elle venait le dimanche après qu'elle ait été évangélisée. Il y a une dame qui est venue à l'église de Rema qui l'a accompagnée à l'église. Elle est venue le vendredi, elle est venue le dimanche. Et par la suite, elle a été guérie. Elle est venue également témoigner à l'église de sa guérison. Il faut préciser qu'on l'a enlevée de l'hôpital parce qu'elle était paralysée. Et elle saignait. Le sang sortait. Quand on mettait, ça sortait. Elle a dit qu'elle a utilisé, c'était 11 ou c'est 13 poches. Près de 13 poches de sang. Donc, voilà. Donc, et puis, il y a une pharmacienne à l'hôpital central qui l'a vue souffrir et qui lui a dit, je connais un prophète et je connais une église. Si on peut t'amener là-bas, tu seras sauvé. Elle a parlé à sa soeur plutôt. La soeur est allée parler à la malade. Et la malade dit, ok, portez-moi, amenez-moi là-bas. Et aujourd'hui, elle marche comme les gens peuvent voir et apprécier dans ces images aussi. Je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a guéri. J'ai fait 3 mois à l'hôpital général, je ne marchais pas. Bon, il y a une soeur de l'église qui a évangélisé ma soeur. Et elle a dit à ma soeur que je peux te montrer le chemin où ta soeur peut être délivrée. Bon, et après, ma soeur m'a alors, elle est venue me dire, quand elle est arrivée, elle me dit, je vais te voler ici à l'hôpital pour qu'on parle à l'église de Rema. Hey! Elle a dit, Hey! Les gens s'y sont où? Lorsque quelqu'un dit, j'étais malade pendant 3 mois, je ne marchais pas, moi je le comprends. J'étais malade pendant 9 mois, paralysé. La maladie, c'est une disgrâce. 3 mois. Elle a dit qu'elle peut même venir vous voler à l'hôpital. Quand elle m'a alors dit qu'elle devait venir me voler à l'hôpital. Oui. Parce que je saignais. C'est celle qui travaille à la pharmacie qui a dit qu'elle va venir vous voler. Non, elle a évangélisé ma soeur. Oui. Et puis ma soeur m'a dit qu'elle devait venir me voler à l'hôpital pour qu'on vienne se rendre à Rema. Oui. Et puis, je saignais. J'ai pris presque 13 poches de sang et je saignais abondamment et on m'a opéré. Avec l'opération, j'ai aperçu 15 poches de sang et je ne savais de quoi je souffrais. Donc quand on a fait le scanner, on m'a dit ceci, que c'est le cancer. Bon, moi je n'ai pas cru à ça parce que je suis enfant de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne crois pas à cette maladie. C'est grâce à la grossesse qu'on m'a opéré. Et avec cette grossesse, on m'a fait le purétage 3 fois, ça n'allait pas. Bon, et j'ai compris que si ce n'était pas la main de l'Éternel, je ne pouvais pas guérir. Le jour où on devait nous faire sortir de l'hôpital, ma soeur m'a dit ceci, il a veillé à Rema. Nous sommes arrivés ici, là, j'étais la première à entrer ici. Je ne marchais pas. Wow. Et quand on m'amenait ici, là, on prenait un véhicule course et je me couchais toujours derrière. Bon, ma soeur, nous sommes arrivés ici, nous avions assisté à la veillée jusqu'au matin. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai dit à ma soeur que maintenant, je vais seulement suivre le chemin de Dieu. J'ai marché ici, là, étant avec les serviettes pendant 1 mois. Wow. Ma soeur m'a dirigé ici pendant 2 semaines. Après, elle m'a dit, toi-même, comment ça allait? J'ai commencé à aller, mes pieds ne tenaient même pas bien au sol. Mais j'ai dit, Seigneur, tu sais que le chemin que tu m'as montré, c'est un bon chemin. Et je crois que en ce lieu, je vais trouver ma guérison. Et après, j'ai enlevé même les garnitures. Je ne portais plus. Je venais comme ça à Rema. Chaque vendredi et chaque dimanche. J'aime la phrase là. Et aujourd'hui, vous vous portez comment? Aujourd'hui, je me porte bien. Est-ce que vous pouvez marcher? Quelle église? Je suis venu rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui a élevé. Mama,
ce miracle est scellé. Et votre vie sera un signe dans votre famille. Au nom souverain de Jésus. Donc, l'apôtre Paul dit que mon évangile ne reposait pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de force. Donc, l'évangile, ce n'est pas une proclamation bidon ou banale, ce n'est pas des banalités, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il faut qu'on le voie et qu'on le sente dans la véracité, la véridité des actes de l'esprit de Christ à travers ta vie. Donc, je vais dire aux malades que nous servons le Dieu des impossibilités. Si Dieu n'a pas dit que la maladie là va te tuer, vraiment, elle ne te tuera pas. Si nous prions, Dieu fera quelque chose, il manifestera sa gloire. Donc, que le malade n'ait pas peur, le Seigneur est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es en train de me regarder, le Saint-Esprit est en train de te parler. Ta situation n'est pas impossible à Dieu. Peut-être elle est impossible pour toi, elle est impossible à l'hôpital, elle est impossible peut-être, je ne sais pas qui. Mais cependant, il faut savoir que si tu mets ta confiance en Christ, il agira. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voilà, de plus en plus, vous recommandez en ce qui concerne la consécration des familles à l'Éternel aux parents de ne pas laisser les enfants à la maison. Oui. Et justement, la particularité de ce culte familial qui se tient un mois avant la rentrée scolaire, ce sera la remise des bourses d'études à ceux qui sont sortis premiers cette année scolaire. Tout le monde sait que vous avez toujours remis des bourses d'études aux élèves, à des établissements dans des pays tels que le Burkina Faso, le Togo et même au Cameroun. Alors, à plusieurs familles également, pourquoi faites-vous cela? Moi, je pense que je crois en la jeunesse chrétienne. Je crois en elle. Il faut quelqu'un pour la galvaniser. Il faut quelqu'un pour la revigoter. Il faut quelqu'un pour la ravigoter, pour la revigorer, pour l'envigorer. Donc ça, c'est très important. Pour moi, je crois en la jeunesse. Et je crois que dans notre monde aujourd'hui, il faut quand même avoir un certain bagage intellectuel pour marquer sa génération. Et je crois aussi que ce soit même la vocation au ministère, on a besoin quand même d'une certaine pertinence. Sur le plan éducationnel, pour pouvoir marquer sa génération, parce que la connaissance est beaucoup accrue dans notre génération. Donc, les jeunes chrétiens doivent aller à l'école. C'est pour donner de l'encouragement et du tonus aux parents, pour leur dire, envoyons nos enfants à l'école, et l'Église accompagne nos enfants dans leur éducation. Pour moi, c'est capital. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire là-dessus. Les enfants de Dieu doivent aller à l'école et le plus loin possible, ils doivent pousser avec leurs études. Nous voulons des ministres, des présidents, on veut des gouverneurs, des généraux, etc., des autorités qui prennent des décisions dans la nation, et c'est maintenant que nous devons préparer cette pépinière. Donc, je veux dire à un jeune qui me regarde, prends l'école au sérieux. Moi, mon père m'a payé, ma mère m'a payé l'école du primaire jusqu'en sixième. Fait mon père m'a payé la cinquième. De cinquième jusqu'à l'université, c'est moi-même qui ai payé. Je me suis battu moi-même. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir des bourses d'études ou bien quelqu'un qui me motive à aller à l'école. Mais vous, vous avez cette chance. Vous avez vos parents, parfois même qui ont des moyens, d'autres n'ont pas de moyens, mais c'est des bruits pour vous. Donc, allez à l'école. Donc, ce que je fais, c'est ma contribution pour préparer une pépinière qui demain sera l'espoir de l'Église. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Homme de Dieu, en définitive, avez-vous un dernier mot par rapport à... Voilà, je voudrais dire à tous ceux qui sont malades pour notre culte de famille, de ne pas se décourager. Il y aura la ligne de prière pour les malades. Quand vous arrivez, prenez juste votre bouteille d'huile de faveur et mettez-vous à la ligne de prière. Et la prière sera faite sur vous. Et si vous avez la foi, le Seigneur se manifestera. Je veux aussi dire à toute la jeunesse chrétienne que le monde a le regard sur vous. Prenez l'école au sérieux, que vous soyez au primaire, au collège ou à l'université. Ne vous amusez pas avec l'école. L'Église ne doit pas mettre un terme à votre carrière. L'Église ne doit pas mettre un terme à votre destinée. L'école fait partie de votre destinée. Donc, et à tous les parents, à tous ceux qui me regardent, ne manquez pas ce dimanche 28 août à partir de 7h30. Le lieu, ce sera au Palais des Congrès ici à Yaoundé. Donc, venez très nombreux, ne laissez aucun enfant à la maison, venez avec tout le monde recevoir cette onction spéciale. Pour toutes les familles où il y a eu des enfants premiers à l'école, venez chercher votre bourse pour votre enfant. Voulons vous soutenir, vous aider, contribuer à l'éducation de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, pour votre disponibilité. Merci à vous, Pluton. Nous avons hâte de vous retrouver ce 28 août au culte familial. Vous aussi qui nous regardez, vous êtes invités à assister à ces deux cultes familiaux ce dimanche 28 août 2022, 7h30 à Yaoundé au Palais des Congrès, 16h à Douala Ndogbon derrière l'immeuble Camlay. Et vous qui nous suivez en direct, vous pouvez également vous connecter via Facebook, YouTube ou Zoé Channel et suivre les actions prophétiques qui seront effectuées pour votre bénédiction. N'oubliez pas, le mois d'août, c'est le mois de la gloire. Si vous voulez entrer dans cette gloire, connectez-vous également à tout ce qui sera fait. C'était votre émission Zoom. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à suivre les programmes de Zoé Tiané et à être connectés.
sur les plateformes Facebook et YouTube. Merci pour votre disponibilité et à la prochaine.